Bien. Bien. On est reparti. Si ça fonctionne, évidemment. Hop. Donc, re le bon gros chaton, vous allez me dire si ça fonctionne. Aïe! Allô dos! Allô dos! Allô dos! Et le fauteuil qui grince. Bon, alors, comment va Link avec son gros bouclier en bois? C'est quand même marrant qu'ils appellent ça le bouclier magique, alors que c'est seulement un bouclier en bois plus grand, quoi. Heureusement que ça a été amélioré par la suite. Ah, Koh-Lanta, c'est fini, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus de Koh-Lanta. Comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire pour survivre sans Koh-Lanta? Je me le demande. Bon. Allez, on va pas perdre de temps. Donc, alors comme vous le voyez, j'ai un petit peu farmé les rubis du coup, hein. Comme je vous l'avais dit, parce que bon, c'est relou quoi. Apparemment, on va avoir à payer 100 rubis pour pouvoir passer. Donc bien lourd. Donc voilà, on a 169, ce qui devrait nous mettre à l'abri d'éventuels mauvais rebondissements. Bon, let's go. Donc là, du coup, je dois une fois de plus repartir à droite, hein. Et j'essaie de pas trop me faire toucher pendant mon périple. Voilà, par contre, c'est évident que tout a forcément repop, hein, voilà. Ok, donc là c'est la boule bleue, c'est pas grave, j'essaie de passer. Il faut que je réussisse à passer. Ah, oh, ça va être chaud quand même. Oh là là là. Ah, c'est chaud quand même. Oh, comment tu veux passer? Comment tu veux passer sans en même temps je pourrais éventuellement le faire comme ça. Ce sera fait. Voilà. Ils sont pas si coriaces. Hein. Surtout là quand c'est de profil. Je devrais en profiter. Merde. Je peux plus tirer. Et merde! Oh le con! Ok. Je peux plus tirer. La boule bleue, s'il vous plaît. Ah, oh, cette idée des boules est vraiment démoniaque. Démoniaque mais intéressante. Oh, mais lâchez-moi, lâchez-moi! Ok. Oh le con! Allez, c'est bon. Là, on va se faire les momies. Mange pas de pain. Merde. Que je me les fasse tous de là avant qu'ils se ramènent. Merde. Ok. Parfait. Et là, je peux plus tirer. Mais là, vu que c'est que les petites bouboules blanches, c'est pas grave, ça dure que genre, quoi, 5 secondes? Ouais, je pense que c'est 5 secondes. Ok. Donc là, il y a un passage secret, mais on s'en tamponne. Oh, mais lâchez-moi, enculé de boule! Combien de temps tu vas rester là? Laisse-moi passer, laisse-moi le temps que je puisse tirer. Est-ce que tu peux partir? Oh, s'il te plaît! Oh, merci, merci! Alors ici, là c'est à droite direct. Bingo, on est bon. On balance ça. Ok, là, il faut que je réussisse. Putain, je dirais comme un chef là quand même. Oui! Oh putain, ça c'est du bien joué. On est bon là, on est bon là. Ok. Là je peux passer. Faut pas que je fasse nimp. Oh le con! Non mais il faut qu'il... Vous avez vu ça? Mais vous avez vu ça, putain! Il faut qu'il vienne pile poil sur ma putain de trajectoire, me semble dans... Enculé de ta mère! Du coup, ça m'énerve, ça m'énerve, genre. Oh, ces trajectoires impossibles à établir, mais ça me donnerait des envies de meurtre, ça! Oh, ça me donnerait des envies de meurtre, ça! Oh, 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 oh. Oh.
Allez, ça y est, l'arôme de l'enfer. C'est parti, c'est maintenant, c'est pour nous! Coucou Saram, salut, ça va? Saram, que ça en peut plus! Oh putain! J'ai eu la chance pour la fée. C'est le destin. Et non, allez, retourne ton bon moment. Mais oui! On ne va pas se les faire. Hein. Ok. Là. En fait, ici, il n'y a que dalle. Mais c'est bizarre. En fait, ici, il n'y a jamais eu que dalle. À chaque fois, je m'étais dit que ça ne repopait pas, mais pas du tout. Ok, ça va, j'ai compris. Vous fatiguez pas les chauves-souris. On a compris le problème. D'accord. Alors, c'est ici. C'est ici. Alors, attention, on va arriver au passage délicat. Donc là, c'est bon, je peux les passer. Oh, ça rame. Vous voyez, donc en fait, là, on peut se rendre compte qu'en fait, la limite au niveau des mobs dans une salle, dans un Zelda pour pas que ça rame, fait ce premier Zelda. Ben, c'était le nombre qu'il y avait ici. Maintenant, je vous laisse compter. Donc là, du coup, voilà, le truc, c'est que je ne dois surtout pas aller à gauche. Parce que si je vais à gauche, toutes les sorties sont mauvaises. Et le pire, c'est qu'on ne peut même pas revenir. J'ai essayé les trois sorties. Les trois nous ont fait revenir au début de ce putain de donjon moisi à la mort moelle Grosneuil. Donc, on va tenter d'aller là, en espérant que là, c'est vraiment le bon passage, parce que sinon, on est vraiment dans la merde. Ah, et voilà, tiens. Alors, parfait. Donc, voilà, alors là, du coup, hein. J'ai une question. Est-ce que le cœur, c'est un réceptacle de cœur? Putain. Ok. Alors attention, parce que là du coup il y a deux passages. Il y a deux passages. Voyons. En haut et en bas. Sachant que le boss il est plutôt en haut. Bon. Moi je dirais en haut. On est où là? Ok. On va le décimer. Sans pas trop me faire toucher, je vais faire bien attention. Ouais, seulement un, ça c'est pas bon ça. Aïe aïe aïe. C'est bon. Ça va, j'ai du bol en plus. Quoi? Tu me laisses que ça en plus, petite. Putain, bande de. Ah, bordel. Ah, je suis où là? Bon, à mon avis, c'est bombe à gauche. Bon, soit il y a une bombe, soit je peux passer comme ça. Je vais tenter la bombe. What? Mais putain, arrêtez-vous! Ok, là, il n'y a que dalle. Genre, ici, c'était que pour un putain de rubis. Je sens que ça va être comique. On est bien d'accord que je suis là, il peut rien avoir... Mais non, il y a... Mais c'était que pour un rubis, ici! Sans déconner. Mais sans déconner, là! Surtout, faut toujours garder son calme. Faut toujours garder son calme. Non! Ah non, j'ai eu peur. Non! Merde. Putain, j'ai tout raté. J'ai tout raté. Voilà. Non! Oh putain. Va te faire, hein! Mais c'est fou, ça me donne mes boudus! Ouais, j'ai pas le choix. C'est incroyable. Des endroits exigus comme ça, tu ne peux rien faire. T'es obligé de te faire toucher, c'est fou. Ah! Le pire, c'est que je m'en sors vivant, quoi. Ok, bon, ben là. Bon, à mon avis, il y a un bloc à pousser.
J'imagine que c'est celui-là ou l'autre. Voilà, c'est le même, évidemment. Parce qu'ils vont pas non plus, en plein temps, vu qu'ils sont extrêmement limités au niveau de la mémoire, ils peuvent pas non plus faire 36 000 salles différentes. Donc en fait, c'est exactement le même bloc que la précédente salle. Et donc là, faut espérer quand même qu'on va arriver à un endroit qui va pas ressembler au début du donjon, sinon on n'est pas trop dans la mouise. Alors attention, je vais me les faire, il faut que je profite d'avoir l'épée. Non, il m'a touché le con, il m'a touché. C'est pas grave, c'est pas une salle totalement atroce. Si je fais attention, ça passera. Je peux plus tirer. Merde. Oh putain. Touche-moi. Ah non, pas par là. Ok. C'est bon. Alors. Donc, on est d'accord, je suis venu de là. Il me faut une clé. Ouf, j'ai une clé. Je suis où, là? Ah oui, d'accord. Putain, en fait, il nous reste encore... D'accord. Donc, ça veut dire que... Ok, une salle, ensuite on a le boss, ensuite on a la Triforce. C'est ça que ça veut dire. Je crois que c'est ça que ça veut dire, ok. Bon. Vas-y, touche-moi le bleu. Touche-moi le bleu. Oh là là, il revient. Ok, on y va. C'est parti. Putain, c'est un truc de fou. Ok, on y va. Ah putain, je suis obligé de me les faire. Et bon, ils sont plus que deux. On est pas mal. Ok. Là, c'est le boss. Alors. C'est encore le dragon ? Ah d'accord, là, ils pouvaient plus, là. Là, ils pouvaient plus. Ils avaient vraiment plus de place dans la cartouche. Bon, ça va le faire. J'ai assez... Putain, j'aurais voulu la 4 têtes. Ah, il a 4 têtes ? Putain, c'est la première fois. Ok. On va se concentrer. Faire d'autres en même temps. Oh, oui. Je crois qu'on va faire dans le bourrinage. On n'a pas le choix. Et voilà. Ok. Et eh bien ça y est, je crois qu'on y est. Bon. Il doit quand même bien emmerder celui-là. On va juste vérifier qu'on a bien tout fait. On va comparer la map. Ah, il me manque une pièce. Il me manque une pièce. Ouais. Il y a une pièce qu'on n'a pas faite. Bon, je m'en fous. Je vais pas retourner, mais bon. Faut espérer que c'est pas la pièce où il y avait un truc important. Voilà ce qu'il faut. Ce qu'il faut pas espérer. Alors, ça part de Camelot. Mais, oh, pas mal. Pas mal du tout. Bravo. Pendant que je regarde le chat. Bon, mais du coup, là, on est au palais 8. Donc, palais 8. Ben, ouais, palais 8, une fois de plus. Aucune idée de... Je peux pas du tout savoir où c'est. Je ne peux pas savoir où il est, quoi. À moins de continuer de cramer tous les buissons possibles et imaginables. On est d'accord, c'est légèrement compliqué. Donc. Soit vous me donnez un indice. Soit... Je vais devoir me résoudre à ouvrir le Astus Mania. Ce qui serait triste, n'est-ce pas? Oui, ce serait triste. En attendant, je ferme les rubis. Ouais. Ici, ça drop pas mal. Merde. Oh le con. Ah mais voilà. Une petite fée pour me remettre, c'est bien ça. Oh, j'ai réussi à tout rater. Le con. Bon, je fais cet écran parce que là normalement il y a voilà, là, ici il y a plein de rouges et moi les rouges j'aime bien ça. C'est eux qui filent le plus de rubis généralement. Voilà, donc je vais vous lire. Hein. Soyez d'accord que je ne peux pas trouver tout seul.
Enfin, je peux pas. Et tout d'accord, c'est pas très intéressant de me voir brûler 50 000 buissons et exploser tous les murs de toutes les montagnes que l'on peut trouver. On est d'accord, hein? Donc, je vais me foutre. On va revenir au début. Un coup à gauche et on est au début. Et voilà l'écran de starting. Alors, bon. Qu'est-ce que ça raconte là-dedans? Alors voilà. L'emplacement du 8ème donjon est limite introuvable et quasiment impossible à expliquer sans carte. Impossible à expliquer sans carte? T'es sérieux? Attends, t'es en train de me dire que je vais être obligé d'ouvrir mon astuce mania alors? Loul. C'est énorme. Bah, essayez quand même de m'expliquer un petit peu, quoi. Je vois pas pourquoi c'est impossible à expliquer. Je vois pas ce que ça peut être à part la flûte qui va dérober l'entrée du donjon. Une bombe à placer ou un buisson à brûler. Si c'est pas ça, c'est que c'est un truc... aucune idée. Encore plus WTF. Voyons. Pour l'instant, je vais pas regarder la soluce. Si vous voulez juste me donner un indice, du coup. Genre, en fait, le... Genre, il est là. Ce serait pas mal, ça. Genre, il est là. Non, il est pas là. Non, ça, ça aurait été marrant, en fait. Qu'il soit dans la pièce où on trouve notre épée. Attends. Alors, donjon 8, tu as besoin de l'échelle. Le palais bis, je n'arriverai pas à expliquer où il est. À part qu'il est assez proche de la cascade. Alors là, la cascade, ok, donc c'est en haut. Mais c'est trop chaud à expliquer sans carte. What the hell? Le donjon 8 égale échelle plus rivière. Mais je vais y arriver alors. C'est bon, ça me suffit. Le long d'un ruisseau de la montagne. Ah mais voilà, ok. Bon mais voilà. Donc j'imagine que... Mais c'est, je crois avoir compris. Hein. J'imagine que je vais suivre en fait le ruisseau. Et j'ai utilisé l'échelle un petit peu partout. Et au bout d'un moment... Alors c'est soit un truc à bomber. Mais je vois pas que ça parte de bombe. Donc ça veut dire que dans la montagne, il y a une espèce de mur invisible. Je vais le transpercer et on va atteindre le donjon. Apparemment, c'est ça que ça essaie d'expliquer. Je pense que c'est ça. Tu as une rivière qui est collée à une paroi. Il faut la traverser pour longer la paroi. Ah non, il faut aller une bombe et déposer une bombe. Ah ouais. Ah non, mais là, c'est hallucinant. Attendez, c'est hallucinant. Attends, sérieux? Comment on peut trouver ça? Comment on peut trouver ça, putain? Attendez, comment je vais y aller là? Je vais... on va passer par là. Je crois avoir compris, hein. Après, le problème, c'est évidemment, s'il faut utiliser les bombes, ben, c'est évident qu'on va pas non plus utiliser 50 bombes, donc il va falloir que je trouve l'endroit précis, quoi. C'est quand même incroyable. Il y a quand même des trucs assez incroyables. Donc, on va revenir tout en haut. On va voir ce que ça donne. C'est dommage, je trouve qu'on n'utilise pas assez finalement le radeau, quoi. En fait, le radeau, j'ai l'impression qu'il n'y a que deux accès. Il n'y a que deux pontons pour le radeau. Hein. Il y en a un complètement à l'est et un là, juste à côté, évidemment. On vient de passer devant, mais il n'y en a que deux, quoi. Ça, c'est dommage. Ça aurait pu être mieux exploité. C'est un petit peu dommage, ça. Alors voyons, voilà, à mon avis c'est ici, je pense que c'est là, donc genre je me mets ici, ouais mais faut rendre compte du truc, à mon avis c'est ça, hein. Je pense que c'est ça, voilà, c'est le long de, c'est quelque part ici, sauf qu'on est d'accord qu'il est impossible, en plus c'est super long, hein. Il est impossible que je puisse trouver, donc ouais non mais c'est là, c'est sûr que c'est là, c'est là. Ah, c'est quelque part ici. Ah, c'est sûr. C'est quelque part ici. Écoutez, je vais continuer à vous lire, mais effectivement, si personne ne peut m'expliquer très précisément, je vais regarder l'Astuce Mania.
Parce que là, on va pas perdre 15 minutes à aller prendre des bombes, les utiliser, puis rechoper les bombes pour les réutiliser. C'est juste ridicule. Alors, oui, je pense faire Cuphead. C'est prévu. Enfin, c'est prévu. Oui, il m'intéresse, quoi. Ça fait tellement les vieux dessins animés des années 50, c'est incroyable. On n'a jamais vu un jeu vidéo comme ça. Ça n'existe pas. Alors, depuis là où tu es... Ah ouais, non, mais attends, attends, parce que là, je suis complètement en retard au niveau du chat, quoi. Déjà, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien pigé le truc? Peur de ne croyez pas que c'était limite impossible à expliquer l'emplacement exact du donjon 8 sans carte, à part tester tous les endroits et des munitions illimitées. Le 8e donjon est encore plus chaud à trouver que le 7e, tu vois pire et bien encore pire. Cinquième mur en partant de la gauche sur l'écran où tu es. Non, attendez, parce que là, voilà, je vais lire le chat à partir du bas peut-être. Alors, c'est bien l'écran de gauche en bas de la cascade. Et bombe vers la gauche. Attends, l'écran de gauche en bas de la cascade. L'écran de gauche, ça ne veut pas dire grand chose. Vers la. Ah, mais attendez, c'est l'écran où je suis. Ah, oh, j'y crois pas, c'est l'écran où je suis. Incroyable. Quelle intuitation. C'est l'écran où je suis. Alors, plutôt vers la gauche. Ok, bon, je vais tenter. C'est l'écran où je suis, apparemment. Alors, à mon avis, s'il y a un truc caché ici, moi, je l'aurais foutu ici. Non, merde. On va tenter encore plus à gauche. Ici. Et merde. Putain, vous êtes sûr que c'est là au moins? Ouh, je sens que je vais m'énerver. Bon, on va le faire. Oh merde. On va le faire ici. Oh putain, oui. Oh, c'est complètement hallucinant. Oh putain. Ah non, les mecs, c'est totalement hallucinant. Alors là. Alors, on peut pas dire que c'est impossible. On ne peut pas dire que c'est impossible à trouver. Parce que voilà, qu'un acharné, effectivement, peut bomber tous les murs possibles, et il peut trouver. Donc on ne peut pas dire que c'est impossible. C'est possible. Et je suis même persuadé qu'à l'époque, il y a des joueurs qui ont trouvé tout seul. Mais c'est juste que c'est débile, quoi. Je veux dire, t'as pas d'indice, t'es vraiment obligé de bomber tous les murs de toute la carte. C'est quand même un truc de fou, quoi. C'est pas impossible, mais... le truc, quoi. Oh, le bordel, quoi. Le bordel. Incroyable. Mais ils ont pris de la drogue. Voilà, c'est ça. Mais ils ont pris de la drogue. Ah, c'est extraordinaire, quoi. Putain, le truc. Ah, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Bon. Oui, mais le problème, c'est que s'il n'y avait que les bombes, ça irait. Il n'y a pas que les bombes. Il y a aussi les buissons et la flûte. Donc le mec, il veut vraiment tout trouver. Vous imaginez, il va brûler tous les buissons, il va bander tous les murs, et il veut utiliser la flûte sur tous les écrans. 50 heures. Non mais voilà, c'est pas possible, quoi. Allez, c'est parti. On va changer les bons, on va reprendre la bougie, et let's go. Oh putain de merde. Eh ben voilà, je fais toucher, bon, c'est pas grave. C'est forcément un secret. Mais putain, regardez-moi ça. D'accord. Alors, le problème, c'est que je me suis fait toucher. Je me suis fait toucher. Donc, je peux plus utiliser mon épée. Donc, ça, c'est quand même un léger problème. Après, j'imagine que si je sors du donjon, ça va reset le truc. Parce que j'ose pas imaginer qu'on peut nous laisser sur la map sans pouvoir utiliser notre épée. Par contre là, et oui voilà, mais là du coup, je vais quand même continuer pour voir ce qu'il y a là. C'est quoi, on va un petit peu visiter. Voilà, on va visiter comme ça. Donc là, ah mais parfait, je m'ai fait de venir. Oh là là.
Ah, ben ça, c'est nickel. Ah. Parfait. Par contre, je peux plus revenir. Ok. D'accord. Ok. Donc ça, en fait, ça, c'est la salle qui va nous servir pour récupérer notre attaque d'épée. Donc c'est parfait. J'ai bien fait de continuer, comme quoi. Le problème, c'est qu'à mon avis, là, ça va sûrement nous remettre au début ou un truc du genre. Non, pas du tout. Ok, on va les tuer vite fait. Oh putain. Oh là là. Ok. Ça en est pas mal. Voyons. Ok, le donjon a l'air immense. Que dalle ici. Que dalle là. Alors, on va aller en haut. Ah putain. La flûte, j'essaie de le tuer vite. Oh ça va, ils sont pas très 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 rapides. Attendez, est-ce que ça fonctionne le boomerang sur eux? Ah oui, ça fonctionne. En fait, sur le boss, ça ne fonctionnait pas. Merde! Oh là 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 là, le con! Mais c'est pas vrai! Eh ben j'ai bien fait de faire ça. Alors là, on a passage secret. Non, putain. Bon. Écoutez, on va tout faire. On va tout faire. On va tout faire. De toute façon, là, on est en mode exploratanation. Merde! Alors, qu'est-ce que je fous ici? Ah! Alors. Il pourrait y avoir un secret là, mais pour l'instant, on va rien bomber. Oh putain, par contre. Et merde! C'est pas grave. De toute façon, tant qu'il n'y a pas les mages, ça va. Hein. Ok, alors. Petite inspection de routine. Tant que les mages bleus ne sont pas back. Oh putain, j'ai bien fait de faire ça. Alors, on va se les faire. Si j'y arrive. Et merde. C'est que du blanc, donc ça va. Tu peux me toucher, c'est pas très très grave. On va faire le dernier. Il y a peut-être un truc à la clé, on ne sait jamais. Hein. Ah putain, ces échelles, qu'est-ce que c'est relou, on se fait coincer tout le temps. Hein. Quand vous êtes là, vous êtes à moitié coincé, vous êtes obligé de vraiment bien les mettre. Hein. Putain. Merde. Je peux tirer. Ah oh putain, mais ça c'est relou, mais coup sur relou! Ah, splendide. Tout ça pour ça me fait plaisir. Bon, je vais revenir du coup. Oh, allez. Oh, cette idée de pouvoir traverser les murs, c'est tellement nope. On est d'accord que j'étais pas venu du passage, j'étais venu de la droite. Il va falloir que je me remémore tout ça par contre. Il va falloir que je me souvienne bien des pièces que je visite, que j'hésite pas. Ok.
quoi ça servit, ça? Il y a quand même passage de l'autre côté. Ouais. Parfait. Et voilà, tiens. On vient full, on est très content. Tant que c'est les bonhommes au boomerang, parfait. Alors là... Attendez, je me souviens plus, putain. Est-ce que c'est pas une des premières salles qu'on avait visitées, ça? Ah là, je sais plus, là. Attendez, si je vais là, je me retrouve où? Ah si, c'était ça. Ah merde, j'aurais dû le prendre. Ah ouais, je suis coincé, du coup. Il y a tout à refaire, maintenant. Ah, putain. Ok, il va falloir que je me souvienne vraiment de tout ça. Ok, c'est un gros labyrinthe. C'est un gros labyrinthe, le bousin. T'as intérêt à te souvenir de tout. Il a fallu qu'il me touche. Alors là, par contre... est-ce que j'étais allé en haut? Non, j'étais pas allé en haut, tiens. Non! Oh non, il veut la part. C'est pas vrai, j'ai trop envie de ressortir, quoi. Oh putain, il veut l'appât. Non mais je rêve. On va être obligé de ressortir. J'en ai bien peur, à moins que ce soit une salle annexe, mais ça m'étonnerait. Hein. Bon, elle est splendide. Il nous oblige à aller reprendre l'appât, ok, bon. Vu que je suis quand même full vie, j'ai quand même profité pour continuer à explorer un petit peu. Ah putain. Ok. Alors attendez, est-ce qu'il y avait un passage ici? Je sais plus moi. Je suis où là? Non, je suis là. Non, donc c'était le passage secret. Hein. Oh le con! Voilà. Donc là, je vais en bas. Voilà, je reviens ici et c'est là qu'il faut que je prenne le passage secret. Voilà, c'est ça. Let's go. Donc là... Oh non, je me fais toucher, c'est pas vrai. Là, en fait, on se retrouve là. Si je vais là. Non, mais si je vais là, je peux pas les combattre, du coup. Ah, putain. Bon, de toute façon, il va falloir que je reparte. Mais là, je vais revenir au début. Ouais. Alors, est-ce que si je sors, je peux réutiliser mon épée? Je pense que oui, quand même. Faut pas déconner. Non! Non! Je peux pas! C'est énorme! Je peux pas! Oh, putain! Oh, le truc! Tu peux pas! Extraordinaire! Extraordinaire! T'es obligé de te faire toucher! Même quand tu reviens sur la carte! Incroyable! Incroyable! Bon, mais du coup, j'ai pas le choix. Il faut que je repasse par là. Oh, j'y crois pas! Il faut que je revienne aux boules, quoi! Incroyable! Je pensais vraiment que sur la carte, ils auraient reboot le machin, mais pas du tout. Ah ouais, je peux rien faire du coup. Ben voilà, c'est ici, ouais. Ah ouais, c'est ici, mais ça va. Putain, il nous oblige en fait à tout refaire. Oh, c'est relou. Ouais. J'ai tout raté. Tout raté.
Non, j'avais pas été en bas là. Ah, d'accord, on se retrouve là. D'accord, donc en fait. Oui. Donc en fait, je crois bien que le seul passage du coup qui me manque, ben, c'est le passage où il y a le Grumble là. En fait, c'est le passage du mec qui veut le l'appât. Hein. Donc ouais, je suis. Ah non, quoique ici, il peut y avoir un secret. Ah, attendez. Je vais quand même aller là. Mais là, j'ai l'impression que c'est le dernier passage en fait. C'est-à-dire que si là on ne trouve rien, on sera obligé d'utiliser le mec avec qui demande l'appât. Sinon, je pense que j'aurais fait toutes les salles. Mais peut-être pas. Hein. Peut-être qu'il en manque deux ou trois. Merde, je vais toucher. C'est un blanc? Ah oui, c'est bon, c'est un blanc, j'ai eu peur. Oh! Oh, j'ai eu peur là. C'est bon, il y a une fée. J'ai quand même du bol. Parfait. Ok. Alors par contre, il n'y a rien qui s'ouvre. Il faut trouver le bon truc. Ah d'accord. Putain, mais en fait, ça ouvre ça. Eh mais là, en fait, ça va juste me permettre de repartir. Attendez. Il doit y avoir un truc secret. Il y a une porte là, mais elle ne s'ouvre pas. Alors, quelle est cette diablerie là? Ça, c'est bizarre. Ça veut dire que c'était une salle qui ne servait que à ça, à savoir à rien du tout. Ça m'étonne, ça. Attendez, je suis là. Je pourrais tenter les bombes. J'ai tenté les bombes. Ouais, parce que là. Ou alors, il y a un autre truc à pousser. Mais non. Non, 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 non. Ça me paraît trop improbable, ça. Ce qui m'étonne, c'est que la porte est fermée, en fait, alors que. Ouais, la porte est fermée. Et je viens du passage secret. On est bien d'accord, je viens du passage secret. Je suis pas planté, hein. Je crois pas être planté, non. Tu vas me lâcher, oui. C'est trop bizarre, ça. Ah, putain de merde. Oh, putain de merde. J'ai bien fait de faire ça. On se retrouve là. Ok, je les désingue. Je les désingue tous. Putain, encore une fée? J'y crois pas. Ils sont vraiment très 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 sympas. Essayons de garder l'épée magique. Ah, la carte. Ah. Voilà qui est mieux. Ah oui, c'est d'accord. Ok, putain, la vache. Putain, c'est marrant, les donjons sont vraiment constitués de façon super bizarre, ça n'a rien à voir avec les autres quoi. T'as deux grands couloirs et après. D'accord. Ok. Ce qui veut dire que il peut y avoir un secret à gauche ou en bas, je vais tenter. Donc là, apparemment, non. En tout cas, pas comme ça. Putain, qu'est-ce que c'est chiant! On va tenter les bombes. Non. Non. Ok, ben je vais revenir. C'était que pour la map. C'était que pour la map. Donc du coup, maintenant, on peut revenir. C'était où le truc ici, non? C'était que pour la map. Bon, écoutez, je pense que là, je suis obligé d'aller prendre l'appât. Parce que je vois pas. J'ai peut-être raté une pièce, une salle, hein, un truc que j'ai pas vu, mais. Je crois que je suis obligé d'aller prendre l'appât pour continuer. Ouais, on va en. Alors par contre, où est l'appât? Putain, où est l'appât déjà? Si, si, c'est bon, c'est, je me souviens. Non, par contre, il faut pas qu'il me touche là. En fait, si aussi te touche. Oh non, te dégage! Oh, c'est pas vrai! Mais ça, c'est abusé! Et là, je peux plus rien faire, quoi. Mais c'est ouf, ça! À moins que. Est-ce que si je me fais toucher par les boules blanches, ça annule l'effet des boules rouges? Putain, c'est dingue quand même. Eh mais attendez, c'est vraiment horrible ça. Voyons. Ah non, ça l'annule pas. Oh, ça l'annule pas. Hein. Ça l'annule pas, je peux toujours pas. Je me suis fait toucher, mais non, non. Oh, ça ne l'annule pas. Ça ne l'annule pas, dis donc. Incroyable. Incroyable.
Ah non, ça ne l'annule pas. Putain, t'es obligé d'aller choper une boule bleue. C'est incroyable. Incroyable. Donc je ne peux pas ressortir de ce donjon. Putain, il t'oblige. Il t'oblige. Allez, choper. Mais putain, j'en peux plus. Il y a mon doigt qui glisse. Ah putain. Il t'oblige à aller toucher une boule bleue. C'est incroyable. Et comme par hasard, t'es obligé de te refaire tout un chemin pour y aller, quoi. Ça, c'est abusé. Pas ce que je voulais faire. Allez, sauf que là, je suis où là? Remarquez maintenant que j'ai la carte. Il pourrait y avoir un truc en haut. J'ai tenté. Oh, que c'est chiant de se faire toucher. C'est horrible quand même. Se faire toucher, se faire knockback comme ça de 3 mètres à chaque fois. Et tu ne peux rien y faire. Et c'est. Du coup, c'est vraiment, vraiment très, 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 très pénible à jouer ça. Oh, imaginez un jeu comme ça où vous faites tout le temps toucher, tout le temps avoir des mouvements de recul. C'est vraiment insupportable. Ah, c'est relou ces putains de boules, je vous le dis. Bon, là, du coup, je sais plus si j'ai envie, il se passe quoi déjà? Pff, je sais plus là. Ah non, c'est lui qui est là, d'accord. Donc lui, il est là. Il faut que je parvienne à ressortir. Je vais aller en bas. Mais lâchez-moi. Bon, de toute façon, j'ai quand même les tuer, ça peut faire des rubis. Non! Bon, je crois que c'est là qu'il faut pas que je fasse toucher. Hein. C'est ça. Oh! Quelle esquive, mon dieu, quelle esquive! Ok, cette fois-ci c'est la bonne. Allez! Ça y est, on peut enfin aller choper là-bas. Et le truc, c'est que. En fait, je pense qu'on est juste à côté. Attends. Parce que l'appât, il était au-dessus. Ah non, pas du tout. Merde. Ah non, pas du tout. Comment je fais là? Il faudrait. Non, parce que si je vais à la droite, il se passe rien. Et ouais. Oh là là là. Et donc en fait, il m'oblige à revenir là. Ah non, attendez. Non, j'ai rien dit. Si je vais là. Ah non, et non, pas du tout. Ah putain, non, on n'est pas du tout à côté, non. Je me souviens où ils vendent de l'appât, mais en fait c'est là où il y a le mur invisible au-dessus du truc de l'arbre vert. Mais le problème c'est que tu peux pas l'atteindre de là, j'ai l'impression. Donc il va falloir. Oh, c'est en haut ou en bas qu'il faut que j'aille là. Je pense que c'est. Attendez, si je vais là. Ah non, non, c'est pas là, c'est pas là. Putain, non, c'est en bas. Oh là, c'est en bas. C'est en bas, puis dégager les rochers, enfin. C'est en bas, et là, il faut que je... Voilà. Par là. Je pense que je devrais y arriver en continuant par là. Je suis pas certain. Hein. Je suis pas certain de mon coup. Mais je vois pas, en fait, où ça peut être... Parce qu'en haut on était déjà. Je pouvais pas y arriver par là où j'étais. Si je fais ça, voilà. Là, est-ce que ce serait pas en haut? Et à droite. Tiens. On va peut-être y arriver par là. Ah non, merde. Ah non, mais ça va, je vais y arriver quand même. On va quand même y arriver, je pense. Ça devrait le faire comme ça. Par contre, j'ai que 6 bombes, ce serait peut-être... Mais putain, lâchez-moi. Ouais, c'est ça, c'est ici. C'est ici. Voilà, c'est là. Parfait, je fais toucher, mais je m'en fous. Alors, est-ce que tu vends toujours ton appât? Il le vend toujours.
pas se planter là. Faut pas revenir sur la bague. Et voilà, on l'a. Allez, on peut repartir. Bon, par contre, j'ai que 6 bombes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente seulement avec 6 bombes? Bon, on va tenter qu'avec 6 bombes, mais bon. Je ne suis pas convaincu. Quoique, attendez, vous savez, on est. C'est bien ce que je pensais qu'ici il y avait les gros bulldogs. Peut-être qu'avec du bol. Non, t'as pas voulu m'en lâcher, toi. Attends, c'est peut-être pas mal de rester ici 2 secondes. Voilà, t'es ça, on a chopé 4 bombes là, ça c'est bon. Je crois qu'il y a une fontaine de fées pas loin. Hein. Bon, on s'en fout. Allez, on y va, c'est bon. J'ai eu 4 bombes, ça va. Ah, viens là, toi. Ouais, non, ça c'est le remix qu'ils ont fait pour Link's Awakening. Faut une clé ou peur, on dirait. Ah bon? Attendez, faut une clé aussi. Et il commence à nous gonfler là. Bon, ben on verra. Hein. De toute façon, normalement, s'il faut une clé, on devrait la trouver en même temps. Enfin, on devrait la trouver dans le donjon. Hein. Ah, je vais me faire toucher. Non, c'est bon. Ah, le con, il a popé pile poil. Oui. Il fallait pas qu'il pop l'animal. Bon. On est reparti. Donc là on est d'accord que il faut pas se faire tout. Mais non, je m'en fous en fait. Attendez. Je sais plus. Bon, je m'en fous. C'est pas grave. Ah mais si, c'est grave. Ah, je sais plus. Bah, je sais plus. Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, je peux rien faire là. À part l'immobiliser. Parce que là, du coup, je suis obligé d'aller là. On est d'accord. La porte se referme. Voilà, je me fais toucher pour pouvoir utiliser l'épée. On est d'accord. Ah, je sais plus là. Je conserve mal à la tête là. Est-ce que c'est en haut ou. Je pense que c'est en. Oh, c'est là, voilà. C'est ça. Parfait. Donc, allez, je vais te donner ce que tu veux. Putain, c'est le truc vraiment pas relou, ça. Tiens. C'est bon. T'as plus faim. Il a disparu tellement qu'il en peut plus. Alors, par contre, est-ce qu'il peut y avoir un secret là? Non. Non, là, c'est forcément en haut. On va se concentrer. Oh putain. Il y a 2 piques qui arrivent sur moi. Oh, mais il a fallu que je me fasse toucher, mais c'est extraordinaire. Pourquoi j'ai entendu tout. C'est passé quoi là? J'en sais rien. Je suis où là? Ouais, ben. Non, y a rien. Hein. C'est que vers le haut qu'il faut aller, y a rien d'autre. Alors. Je vais me les faire. J'ai pas le choix. Et si on prend. Là, je bourrine à fond là. Eh ben, mais putain, comment ça se fait qu'il crève pas, enfin. Ah, parfait. Une clé est apparue, ça c'est bon. Ok, alors ici, à tous les coups. Putain, mais. Oh,
Oh le con. Mais genre! Mais c'est fou cette hitbox des fois! Putain. Je peux pas les toucher de là. Bon, là par contre, il y a peut-être un truc à pousser. Un bloc, ça c'est pas impossible. Je suis où là? Je suis là. Bon. Il pourrait y avoir un bloc à pousser. Après, je pense pas, vu qu'on a vu exactement cette configuration de salle. Et je crois pas qu'il y avait eu de bloc. Du coup, ce serait étonnant. Ouais, bon, je vais dire qu'il y en a pas. On va dire qu'il y en a pas. Mais bon. Putain, c'est quoi ça? Ah là là là. Il faut le boomerang. Mais non, mais c'est pas vrai! Ça m'énerve. En fait, il y a une espèce de mini lag à chaque fois. Non, mais je déconne pas, quoi. Il y a un petit lag à chaque fois, ce qui fait que je me gourre toujours d'une case. C'est horrible. Putain! Pas mal. Bien sûr. Salut, je peux rien faire, ça va? Ok, moi aussi. Bien sûr! Mais oui! Oui! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Ah, parfait. Alors là, par contre, on peut évidemment estimer qu'il y a un passage secret à gauche. Loul. Et évidemment, il faut une bombe. Bon, il y a une petite boule bleue, donc ça va. Ah putain, il y a les mains. Non, je voulais pas repartir, mais... Parfait. Voyons. Ouais, non, mais là, il n'y a rien, là. Là, il ne peut pas y avoir de secret, donc j'y vais direct. Parfait. Oh, putain, j'y crois pas. Bon, alors là, on n'a pas le choix. C'est pas possible. Ils nous refont le coup des dodongos, les mecs. Bon, il va falloir que je fasse attention. Non, mais il a dégagé au dernier moment, putain. Ça m'éclate. Ah, ça m'éclate. Ça m'éclate. Comment tu veux faire? Évidemment, il tombe de l'autre côté. J'adore. Genre. Quoi? Ah bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais oui. La bombe l'a traversée, quoi. Je comprends tout à fait ton problème, tu sais. Je comprends où tu voulais en venir. Oh, genre. Bien sûr, il part de l'autre côté. Il drop que dalle, hein. Même pas de fait ni rien. J'ai réussi à mourir, j'ai pas le choix. Je peux encore attendre de me faire au moins toucher. Ouais, non, ça fait pas beaucoup de dégâts, donc je reprends les bombes. Putain, mais viens là! Oh
Ah putain, faut pas que je me fasse toucher. Ah putain de merde, attendez, on est où là? Je suis là, donc c'est forcément à gauche. Je dois y aller direct. Utiliser une bombe, je prends pas de risque. Attendez, c'est quoi ce bordel là? Trois, je me suis fait toucher. C'est trop tard, je me suis fait toucher. Je voulais réussir sans me faire toucher. Attendez là. Pourtant, je suis là. Ah, ça veut dire que c'est un truc secret. Oh putain, ouais, mais. Ah ouais. Oh putain de merde. Ah, mais là, je suis foutu. Là, c'est évident, je suis touché. Je pense qu'on va avoir tout à se retaper, c'est évident. C'est évident. C'est évident qu'ils vont pas nous laisser. Voyez un peu ce qui se passe là. On arrive là, mais là j'ai peur qu'on va nous. J'ai peur qu'on va se faire avoir. Oh, mais. Genre quoi. Ah non, ça va. Ah mais ils sont sympas. Ils sont sympas, ils nous ont foutu un bleu ici. Putain, par contre, faut vraiment me laisser passer là. Oh là là. Faut me laisser passer là. C'est bon. Oh la vache. Ouh, j'ai resté là. Je vais quand même les faire, on sait jamais. Ça fait un cœur en plus. Je peux plus tirer, mais c'est pas grave. Bon, je pense de toute façon qu'ils vont rien donner. Je pense qu'ils ne vont rien donner. Il est encore un ou c'est mort là? Ah non, c'est. Toutes les mains sont décédées. Ok, je me fais toucher par le bleu, puis on y va. Tu peux venir le bleu, s'il te plaît. Merci. Merci. En un coup, il trépasse. Ok, donc là, c'est forcément ici. Sauf que, est-ce que. Alors, il pourrait y avoir un passage en hauteur. On va tenter le passage en hauteur. Que dalle. On va tenter une bombe. J'en ai combien des bombes? Ah, plus que deux bombes. Ah, c'est chaud quand même. Petit enfoiré. Mais putain, comment j'ai pu le rater? Ah, parfait, c'est les clés, c'est la clé qui permet de d'ouvrir tout à volonté. C'est la clé qui permet de ne plus avoir de problème en fait. C'est ça. Enfin, en gros, on n'a plus besoin de petites clés avec ça. Ouais, le problème, c'est que. Oui, c'est pas un passage, quoi. Loul. Le problème, c'est que c'est pas du tout un passage ici. Alors ça veut dire que j'ai raté ça veut dire que j'ai raté un truc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, parce que ça veut dire que j'ai raté quelque chose. Merde. En plus, j'ai foutu une bombe là-haut, il y avait que dalle. Ah merde. Est-ce que je peux aller en bas? Je peux tenter, mais. Ah merde. Bon, je suis content parce qu'on a chopé la clé universelle là. Mais alors le souci, c'est que je vois pas où je dois aller maintenant. Ah ouais. Et oui, parce que je dois aller en bas puis remonter. Il y a encore pas mal de salles à faire. Bon, je vais revenir. Je vais revenir. J'ai pas le choix là. Ah mais si, je peux aller en bas, mais quel con, j'ai oublié qu'il y avait ça. Non, c'est bon. Parce que je suis pas venu, je suis venu. Attendez, putain, attendez, je me perds. Ah merde, attendez, je me perds là. Je me perds de partout. Non, j'ai rien dit, en fait, ça va aller. Ça va aller, parce que si je vais là, on atterrit où là? Ah oui, non, non, c'est bon. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Attendez.
J'étais déjà venu ici. J'étais déjà venu là. Mais ça veut dire qu'il y a un mur que j'ai pas vu alors. Il y a un mur à péter, j'ai pas dû voir. Il y a un mur à péter, j'ai pas vu parce que... Là, je suis là. Oh putain! Alors là, on revient là. Ok. Et merde. Merde. Et merde. C'est pas grave. Voilà, ça me permet de pas faire grand chose. De toute façon, mais là, attendez. Là, il faut forcément que j'aille à droite. Donc, c'est même pas la peine que je les tue. De toute façon, il n'y a rien. Il peut pas. Oh, si. Là, c'est forcément là. Le problème, c'est ici. Ah, mais non, c'est bon! Ah, mais parfait! Ah, mais c'est bon en fait, parce que là, je viens par là. Ah, oui, c'est ça, j'avais été dans cette salle de l'autre côté. Mais parfait, parfait, ça veut dire que là. Voilà, nickel, parfait. Bon, mais là, on est bon. Ça va en fait. C'est bon. On est bon. J'aime les faire. J'essaie de faire très attention. Vous pouvez me filer une fée là, ce serait pas mal. Hein. Je cache pas que ça me ferait vraiment plaisir. Ok. Oh putain le con. Je peux pas les avoir de là. C'est quoi ce bordel? Putain, faut que j'utilise une bombe ou quoi là? Je peux utiliser l'arc. C'est bizarre. Hein. Ah non, je peux utiliser les flammes, tiens. Ça devrait aller avec ça. Oh, parfait! Viens là vite! Oh! Merci. Parfait. Alors. Allez, je le prends. Je le prends en espérant que ça ne va pas me ramener au début ou une connerie du genre. On est où là? Oh, parfait, on va arriver au boss. C'est magnifique. Bon, parfait, les mecs, finalement, on y est parvenu. C'est parfait. De ça, j'ai une potion pour le boss, donc. C'est bon, on est au boss. Juste en haut, c'est le boss, donc c'est parfait. On va prendre l'arc et on est parti. Non ! Enculé ! Petit enculé ! Mais c'est pas vrai ! Oh, c'est abusé ! Oh, putain ! Oh, le Miyamoto ! Oh, je vais le maudire ! Oh, je vais le maudire, putain ! Quel enfoiré ! Oh, putain ! Quel enculé! Oh putain! Il faut revenir! Comment je reviens là? Oh putain, bravo! Ah bravo! Ah putain, c'est magnifique quoi! Comment je me casse d'ici? Voilà, le même bloc, vous voyez? On avait déjà eu exactement cette salle et c'est le même bloc une fois de plus qu'il faut pousser pour libérer le passage secret. Ben, je suis obligé de revenir, écoutez. Je suis obligé de revenir. Incroyable! Incroyable. Voilà, c'est relou là. C'est bon, alors va chercher l'appât. Ok, après c'est va chercher les bombes. Non, mais voilà quoi. En plus, ça fait. Ils ont foutu deux fois le trio des dodongos quoi. Ah merde, putain. Faut revenir. En plus, tu peux même pas utiliser la flûte pour revenir quoi.
En fait, il vaut mieux se faire mourir, c'est ça. Il vaut mieux te faire mourir que de revenir, ça va plus vite. Ou alors il faut que... Si, il faut... Il faut que je trouve des bombes ici, mais... Comment tu veux que je trouve des bombes ici? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est abusé. Ou alors si eux, ils pouvaient me filer des bombes. Parce que là, vu que j'en ai 5, si j'en ai 3, c'est suffisant. Hein. Il m'en faut combien? Il m'en faut 6, c'est ça? Ah, il m'en faut 6 en fait. Même une, c'est suffisant. Une seule bombe en plus, c'est suffisant. Putain, on a vraiment pas de bol. Oh putain. Et le pire, c'est que j'ai peur qu'ils vont nous obliger. Ils vont nous obliger à refaire les deux trios de Dodongo. Ça veut dire que j'ai 12 bombes. Je suis obligé de ne pas me foirer sur les 12 bombes. C'est ça que ça veut dire. Sans déconner. Tu te foires une seule fois. Attendez, quoi que... Oui, ils peuvent peut-être enfiler. Oh oui! Attendez! On a eu les bombes! On a eu les bombes. Attendez. C'est exactement ce qu'il me fallait parce que honnêtement, je crois que on aurait été où. Par contre, comment je fais là? Eh oui, mais non, moi je veux aller là-haut. Hein. Loul. Attendez, je suis où? Je suis perdu là. Je suis perdu. Je suis perdu. Il faut que... Je vais atterrir où là? Ah merde! Bah oui, d'accord. D'accord, bon, ok. Ce qu'on va faire. Écoutez, on a les bombes. On a les bombes. Ce qu'on va faire. En fait, il faut espérer que les. Que le premier trio Dodongo n'a pas repop, quoi, c'est ça. Parce que s'ils nous font repop le trio Dodongo. C'est ça, c'est en haut, c'est en haut. C'est ça. S'ils nous font repop le premier trio de Dodongo, là c'est la merde. Ça veut dire qu'ils nous obligent réellement à avoir les 12 bombes et à ne pas se foirer sur les 12 bombes, ce qui est quand même assez dingue. Je peux y aller direct là. Ouais. Ah, il t'oblige à les tuer encore, c'est pas vrai. Il t'oblige. Oh là là, mais... Il me faut une fée, là. Il va me falloir une fée, les mecs. Mais putain, tirez au moins, bordel! Bon, mais voilà. Ça encore, ça va. Ok. Il a été sympa. Alors, putain, tout à repop, quoi. Tout à repop. Eh, mais je pense que les Dodongo vont s'abuser. Je pense que le trio de Dodongo... A certainement repop un truc du genre. C'est abusé. Bon, je vais les tuer parce qu'ils peuvent quand même donner de la vie. Attendez, c'était peut-être là qu'il était, quoique. Attendez, pour l'instant, on va continuer. On va voir comment ça se passe. Mais c'est pas possible! Il va me toucher. Non. Non! Ils sont sérieux! Ils les font repop! Alors que je suis même pas sorti du donjon! Oh non, mais là. Pff, n'importe quoi. Bon, alors là, on est dans la merde. Alors là, les mecs, on est dans la merde, je vous le dis. Donc, il t'oblige à avoir les 12 bombes. Et il t'oblige à ne pas te tromper une seule fois. Une seule fois sur les Dodongo. Incroyable. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Alors là, ils ont complètement fumé. Ils ont complètement fumé, je vous le dis. Alors là, c'est du gros n'importe nawak là. C'est même pas la peine que je le fasse. J'ai pas assez de bombes. Je peux pas y arriver. Je peux rien faire.
Il me faut forcément les 12 bombes. On est dans la merde. Allez, je vais vous lire un petit peu. On est dans la merde. De quoi ça parle? 118 cas d'abo, une moyenne de 40 heures vidéo, c'est plus qu'à moitié des très bons youtubeurs méconnus. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas moi. Non, les Dodongos, c'est le boss du donjon, on est obligé de les tuer pour accéder à la Triforce. Ben oui, apparemment c'est ça, oui. Ben oui, vu que c'était juste avant la Triforce, donc oui. Le boss, c'est les trois Dodongos. Le problème, c'est qu'en fait, ils te mettent le même boss ici, à l'endroit où je suis. T'as le même boss, en fait. Du coup, t'es obligé d'utiliser les 12 bombes, c'est un truc de fou. Tu es obligé de les tuer, tu peux pas passer directement. Mais non, je peux pas passer directement. Bananas Joe qui nous dit je m'ennuie grave. Mais qu'est-ce que tu fous ici, Loul? Ça j'adore. je m'ennuie grave. Mais je reste. Hein? Voilà. Moi je te conseille d'allumer la télé et de te mettre devant une émission que tu détestes. Conseil d'ami. Normalement il y a un marchand de bombes dans ce donjon. Ah, attendez, qu'est-ce que cette histoire là? Rudolf qui me dit que normalement il y a un marchand de bombes dans ce donjon pour avoir 16 bombes. Ça c'est intéressant. Je pense que la meilleure solution est de trouver le marchand de bombes du donjon, mais je peux pas, j'ai ratissé tout le donjon, donc tu vois bien que là je l'ai pas trouvé alors que j'ai tout fait. Donc, enfin non, j'ai pas tout fait, il manque quelques salles en fait, non, il manque des salles, oui. Il manque des salles, c'est vrai qu'en fait, il manque beaucoup de salles, c'est incroyable ça. Mais bon, je vois pas comment y accéder, moi, ces salles. C'est abusé quand même. Attends, avant le boss bombe vers le bas et continue. Bon, je vais essayer de faire ça. La salle avant le boss bombe le bas, ok, bon. Genre, on va continuer. Apparemment, il y a un truc à faire avec la salle du boss vers le bas. Donc, on va faire ça. Bon, mais du coup, ok, on va tenter. Allez. On va tenter, c'est peut-être le marchand de bombes qui est là, alors. Putain, c'est horrible. Mais putain, il a dégagé, mais c'est impossible d'y arriver. Mais c'est impossible, il est parti au dernier moment. Mais c'est n'importe quoi. Mais putain, mais c'est pas possible, la merde. Mais... en secours. Oh putain, mais en secours, quoi. Sérieusement. Oh mais descends putain. Ouais trop tard là. Tu peux pas savoir. Hein. Non mais c'est pas possible, vous avez vu ce qui s'est passé? C'est incroyable, c'est incroyable! Incroyable! Incroyable ce qui est en train de se passer. Je crois que j'ai plus du tout droit à l'erreur maintenant. Incroyable, incroyable. Comment vous voulez y arriver, quoi? Et putain, en plus de ça, il se casse toujours du mauvais côté. C'est... putain. Voilà, j'ai 4 bombes. Faut juste que je mette les 4. J'ai juste pas le choix.
Mais ça rame de partout, mon Dieu! Ça rame. J'ai pas pu la poser, il y a eu un ramage de ouf, quoi. Et merde. Je vais me faire avoir, c'est sûr, je vais me faire avoir. Vous pouvez vous dire en bas ou pas là? Ou alors c'est moi qui vais en haut, mais... Putain, mais... Une bombe. J'aurais pu, mais tu sais jamais, tu ne sais jamais. J'attends qu'il vienne en bas. Ah, oh, le con! Il est revenu direct en plus, c'est pas possible ça. Ouh, incroyable. On y est parvenu, donc je sais pas comment. Hein. Je ne sais pas comment. Alors là, ok. Non mais je m'en fous en fait. En fait on s'en fout, je le fasse toucher ou pas, c'est pareil. Voilà. Et merde. J'ai réussi à me faire toucher. Non, j'ai eu de la chance. Donc, c'est ça. Là, c'est en bas. Là, on est d'accord qu'on va en bas. Et donc, là, on est d'accord que c'est ça. On fait gauche, puis en bas. Par contre, je n'ai plus de bombe. Donc j'espère que c'est pas... Finis-moi une bombe. S'il vous plaît. Pas de bombe. J'espère qu'il faut pas une bombe là. Ça me fait peur. Les chauves-souris ne peuvent pas donner de bombe. Par contre, elles peuvent te toucher. Ah, par contre, eux, peut-être. Si j'ai de la chance, ils me finiront des bombes. Beaucoup de chance, quand même. Oh, mais putain! Allez, descends. Mais c'est pas possible. Ah, je vous jure. Ah, c'est impressionnant. Alors. Donc, on est d'accord qu'on va là. Jusque-là, on est d'accord. Donc en fait c'est là en bas. Ah, effectivement. Ouais. Par contre s'il faut une bombe. Oh, faut une bombe. Faut une bombe les mecs, faut une bombe. Ah putain, c'est exceptionnel quoi.
Oh, c'est exceptionnel quand même, il faut une bombe. Oh putain, les mecs, j'adore, j'adore. Ah, ce qui est en train de se passer, c'est juste magnifique, quoi. Il faut une bombe. On aura tout eu. Incroyable. On a tout eu. On a tout eu. Ça te fait revenir là, ouais. En fait, si, je peux farmer. Ouais, je peux farmer si les mobs repop là juste à côté. Je peux tenter de les farmer jusqu'à ce temps qu'ils me filent une bombe, à savoir eux. Est-ce qu'ils ont repop là? Elle les repop pas, non. Ouais, donc c'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort, on est bon pour ressortir. Ouais, parce que là maintenant, ça c'est trop tard. C'est-à-dire que même si eux me filent une bombe, je serai obligé de me refaire les dodongo. Donc là, je suis bel et bien obligé de repartir. Eh ben dis donc. Putain, il a nous oblige à refaire tout le détour. Putain, je devrais mourir, ce sera plus simple. Allez, vas-y, tuez-moi. Allez. Bonne nuit, ce qui va ah, pas mal. Excellent ce qui vient de se passer. c'est excellent. Oh, ce qui vient de se passer, c'est juste énorme, quoi. Je sens du truc, t'as l'espèce de Zora qui pop. Il me fait un knockback, il me touche, mouvement de recul sur l'arrière, et je re-rentre dans le donjon. Voilà. Je crois que c'est magnifique. On fera jamais mieux. Hein. On ne fera jamais mieux. Allez, go les bombes. Alors, on va se manier à utiliser la flûte. Putain. Ils ont quand même légèrement abusé, je trouve. Ouais, un petit peu. Ils ont un petit peu abusé, ouais. Ouais, ils ont un petit peu abusé, quand même. Bon, donc les bombes, on va aller... on va pas aller ici. Mais pourquoi tu me repop là? Mais putain! Pourquoi il me remet là la flûte? C'est bien, voilà, merci. Donc là, voyons, si je le refais, ça va faire popper le truc, je veux bien. Mais si je le refais après, est-ce que ça envoie la tornade? Ça envoie pas la tornade, en fait. C'est marrant. C'est assez incompréhensible, le truc. Donc, faut que j'aille là. Là, je fais ça. En fait, elle ne va jamais m'emmener à l'endroit où je veux qu'elle m'emmène, quoi. C'est-à-dire, à savoir, en bas. C'est ça, elle ne va jamais m'emmener à l'endroit. Ok. Bon. Ce qu'on va faire.
qu'on n'est pas très très loin d'une fée ici. Hein. Voilà, parfait. Eux, ils drop des bombes. Ça en fait déjà 8. On aurait presque pu faire les 12 en un seul coup. Ce qui aurait été quand même une espèce de coup de maître. Par contre, où est déjà la fontaine? La fontaine... La fontaine... La fontaine... Ça va pas être loin. Pas mal. La fontaine... Des bombes. Ah, oh, ils veulent pas en lâcher. Ils veulent pas en lâcher. Le sens du transport dépend de l'orientation de Link. Ah ouais. C'est des conneries ça. Moi je pense que c'est des conneries. Aïe. À la recherche de la bombe perdue. Ouais, c'est que ici j'ai jamais trouvé de bombe. Hein. J'allais complètement à... au sud-ouest. Oh putain. Oh là là, je me fais déraciner même par les vieux Octorok là. Oh putain. C'est catastrophique là. Catastrophique. Et voilà, tiens, finalement, c'est un Octorok qui m'aura filé les 12 bombes manquantes, loul. Bon, par contre, la fée. Bon, il y a une fée par là, on va y aller, elle est juste à côté. Elle a deux écrans, donc on y va. Voilà. Bon, le problème, c'est que, putain, faut pas se planter, quoi. C'est 6 bombes et 6 bombes. Putain, ça, c'est vraiment horrible, quoi. C'est le truc le plus horrible du monde, ça. 6 bombes et 6 bombes, quoi. Et t'as pas le droit de te planter. C'est tellement n'importe nawak. Bon, où était l'entrée du donjon, déjà? Ah oui, d'accord. Évidemment, elle est à l'opposé où je suis. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Hein? Mais pourquoi ça ne m'étonne pas? Bon, il y a un petit peu si la flûte nous transporte par rapport au centre d'orientation. Genre, je vais aller en haut. On va voir. Bah donc là c'est des conneries. Voilà, donc c'était bien des conneries à ce qu'il m'a raconté là. Super connard de son pseudo il s'appelle. Hein. Il nous explique que on va être téléporté par rapport au sens de... d'orientation de Monsieur Link. Bon. Ah. Attendez, là, il y a quand même 5, 6, 7, il y a 8 rubis, là. Par contre, je sais plus où c'est, moi. Je suis perdu. Si, c'est là-bas. Je pense que c'est complètement là-bas. Et non, pas du tout. Non, putain, je suis où? Et non, je suis trop... Et non, ça va pas. Là, 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 c'est de l'autre côté. Les nerfs craquent, là. Les nerfs commencent à craquer. Ouais, il faut que je passe tout ça.
Il a fallu qu'il me touche. Ah mais oui, fous-toi juste là surtout, hein. Allez. Oh, alors, donc, c'était bien des conneries, hein, ce qu'il m'a raconté l'autre abruti, là. C'était souvent des conneries. Quoique, il persiste, hein. On peut pas choisir nord-sud-ouest, juste le sens de rotation. Oh, je vérifie ça, quand même. C'est peut-être pas des conneries, on sait jamais, hein. Bon, donc là évidemment tout a respawn. Eh bien je nous souhaite bien du plaisir. Et donc du coup je suis obligé de passer par le haut. De toute façon il faut que j'aille là où il y avait le Grumble, donc je vois où il est. Je vois où c'est. Ah d'accord, je peux toujours... Ah oui, non, je suis con, c'est ma faute. Je suis obligé d'aller là. Obligé de se faire toucher par les bleus bleus. Les petits bleus bleus. Ah, cette idée, sans déconner. Autant je trouve ça sympa comme idée, mais alors qu'est-ce que c'est relou. Qu'est-ce que c'est relou de plus pouvoir se servir de notre épée. Allez, donc là, c'était là où il y avait le méchant Grumble. On va essayer de passer tout ça vite fait. Là, de toute façon, je pense qu'il faut juste que j'aille tout en haut. Genre, quelque chose m'a touché. Je n'ai pas compris. Alors ici, il y a quelque chose que je vais faire. On va essayer de faire ça dans les règles de l'art. Hein. Allez, donc. Oh, le con! De toute façon, elle aurait disparu, donc c'est pareil. Ok. Oh, les cons! Là, on va essayer de se les faire aussi. On va bourriner. Hein. C'est l'heure du bourrinage. L'heure du bourrinage. Ok. Là, on est pas mal. C'est dingue. Eh mais sans déconner, je fais à peine un tout petit mouvement, il rentre direct, c'est incroyable. Ça m'arrive à chaque fois ça. Alors, parfait, je peux passer par là-bas du coup. Donc là on est pas mal, hein. Bon. Alors c'est là où ils sont. Allez, c'est parti, on va se faire plaisir là. Putain. Ah, on va se faire plaisir là. Allez, un petit peu de concentration. Salut Joram, ça va? Ils ont tellement voulu mettre de petites bouboules et tout que le machin il en peut plus, disons. Et merde. Mais venez en bas, bordel de Dieu! Oh! J'y crois pas, je me suis raté, mais c'est fini. Voilà. Incroyable. En fait, j'ai eu un mouvement de recul quand je me suis fait toucher avec la boule. Bon, mais c'est pas grave. Du coup, on va laisser tomber, on va... Mais non.
Ouais, je peux pas me faire les trois autres dodongos, mais je pourrais quand même me servir d'une bombe pour péter le mur. On va faire ça. Incroyable. Putain, mais c'est l'enfer ici. Hein. Ah, le petit enculé! Le petit enculé, quoi! Putain, c'est tellement insupportable! Ah là 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 là. Bon. Alors, je m'en fous si je me fais toucher. S'il vous plaît, boule bleue là. Boule bleue, s'il vous plaît, boule bleue, je peux pas tirer. Boule bleue, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît. Attendez, c'était par là au moins ou c'était en bas là? J'ai même plus. Je me suis gouré, non? Mais non, c'est en bas qu'il fallait aller, je suis gouré en plus, putain. Je parviens à me gourer quand. Non! Non! Oh putain, il a failli me choper! Et ça, le pire. Aucun cœur, hein, que dalle. Hein. Bon. Essayer de me... Donc là je crois que c'est en bas qu'il faut aller. Hein. Alors. Bah c'est après. Hein. Évidemment, il fallait que je me fasse toucher, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est ici. Ah oh, putain. Mais c'est pas vrai. Mais de toute façon. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Ok. Donc là, on est d'accord que... Putain, incroyable. Alors, est-ce que c'est là qu'on va trouver du coup le marchand? Tiens. Et tiens. Et retiens derrière. Burn them all. Oh, des bombes. Loul. Oh, je suis à 7.
Et je pourrais tenter là. Et on pourrait tenter, vu qu'il m'en faut 6. Parfait. Putain, on est où là? What? Putain, mais what the hell quoi? Qu'est-ce qu'ils nous mettent là? On va mettre un petit boss. Allez, comme ça pour la route. Ok. Oh! Bon. Attendez, je suis où là? Ok, je suis là, donc go à gauche. What? Est-ce que je suis du foutre ici, moi? Attendez là. Ouais, mais comment je vais faire pour ouvrir la porte? Attendez, là, j'ai un petit peu peur là. Attendez. Ok, je suis là. Il reste une porte, sauf que je peux pas l'ouvrir. Moi j'ai peur que la porte elle se ferme derrière moi, mais bon, non c'est bon. Bon. Ah d'accord. Ok, il y a encore les mains. Bon. On va essayer de se faire les mains du coup. On peut imaginer qu'en tuant toutes les mains. Non! Putain! Le con! Ça va ouvrir la porte, je pense. Ça peut être que ça. Ou alors c'est un bloc à pousser une fois qu'on aura tué toutes les mains. Non! Le con. Oh le con. Oh quel abruti. Ah bravo. Attendez, est-ce que c'est ça? Non, moi là il fallait tuer toutes les mains. Non, pas du tout. Ouf. Pas du tout. C'était un bloc à pousser. Putain, heureusement, parce que là en fait j'avais arrêté le temps. Du coup les mains n'allaient plus venir. Vous voyez le truc, hein? On aurait été coincé. En même temps, j'aurais pu repartir. Ah, il est là. Il est là. Par contre, est-ce qu'il va me filer les 16 bombes directes? Oui, il me file les 16 bombes directes. La victoire! La victoire est à portée demain! La victoire finale! Ça y est, voilà, on a fait, c'est bon. Allez, on va voir dégager d'ici. C'est bon, ça y est. Putain, ça y est. C'est bon. Allez. Allez, plus que les 3 dodongos à finir, on embarque la Triforce. Et enfin, on en aura fini avec ce satané donjon. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Allez, on va s'équiper des bombes. On va faire ça vite fait. Bon, 16 bombes. C'est bien plus qu'il ne m'en faut. Oh, ce ramage de ouf. Est-ce qu'il y a l'autre? Oh le con. Oh, t'as un malinois, toi. Fais le petit malinois, lui. Ouais, super, le boss. Ah, putain. Bande d'enfoirés, va. Voilà, bon, les mecs, on va faire. Je sais pas trop ce qu'on fait là. Soit on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et on reprendra. Je sais pas si dimanche je ferai un live. C'est vrai qu'on pourrait reprendre que vendredi prochain. Pas trop ce qu'on va faire là. Parce que bon, c'est quand même 2 heures du mat.
Donc, j'hésite. Ah, le con. En plus, du coup, nous savons où est l'entrée du dernier palais. Puisqu'on l'avait découvert, il est tout en haut. C'est ça, il est tout au nord-ouest. Hein, c'est ça. Bonne nuit ceux qui vont au dodo, mais je pense que moi aussi je vais aller au dodo. Ouais. Je préfère le faire en étant minimum frais. Donc écoutez, je pense qu'on va faire ça dimanche. Mais bon, pas à 16h alors. Voilà. On va faire ça. Déjà là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se choper le maximum de bombes. Ça sera fait. Alors là, le truc, c'est que j'ai une potion bleue. Est-ce que je le vire pour avoir une potion rouge? Ce serait peut-être pas mal. Surtout que j'ai assez de pognon. Donc, à voir. À voir. Aïe. Merde, je viens d'arriver, il veut partir le gros ours. Ben ouais, bon. Ben aujourd'hui, si tu veux tout savoir, j'ai eu une journée un petit peu chargée, voilà. Tu vois? Donc je suis un petit peu crevé. Voilà, pour l'explicatanation. Donc ouais, je préfère qu'on s'arrête, hein. Puis bon, là c'est quand même, voilà, c'est le dernier palais. À tous les coups, ils t'ont foutu 50 000 trucs hyper bizarroïdes, des machins de partout, des mages, des boules rouges, et je sais pas quoi, non plus finir. Et je t'avoue que là, j'ai pas le courage de refaire ça. Ah, c'est ça, j'ai pas le courage là. Ah, j'ai pas le courage là. Non. Ça, c'est. J'en peux plus là. J'ai eu ma dose là. C'est ça le problème. Mais merde! Donc, ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Bon, c'est pas la peine que je vous montre ça. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais récolter 6 bombes de plus. S'ils veulent bien les lâcher un jour, évidemment. Ah putain. Faut que je les fasse repop. Donc ça veut dire qu'il faut que je me casse d'ici, puis que je reviendrai. En fait, faut que je parte de plusieurs écrans. Pour qu'ils repop. Enfin, je pense que là, on est assez loin, mais bon. Dans le doute. Enfin, voilà. C'est pas facile tous les jours d'être ours, je comprends. Voilà, c'est ça. Oh là là. Mais c'est pas possible. Arrêtez de me foncer dessus. Bon, je pense que l'on peut revenir. Donc oui, je sais pas quand on reprendra en fait. Voilà. On va dire dimanche. Voilà, à peu près ça. Non, on va dire dimanche à 18h, voilà. Allez. Voilà. On va dire dimanche à 18h. Ah, il a touché quand même, je rêve. Mais vous allez dropper des bombes, vous? Vous servez qu'à ça, vous le savez bien pourtant. Ah, ça veut pas dropper. Ça ne veut pas dropper. Je rêve. Allez, encore deux. Et voilà. Ouais, c'était pas si dur.
En plus de ça, on est full cœur. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Voyons, pour être rapide. Ah, quoique, je suis juste à côté du cimetière. Du coup, si je passe par là. Donc, c'est nord-ouest et nord-sud. Non. Nord-ouest, sud-ouest, c'est ça. C'est ça. Les caniches rouges et bleues sont back. Ah, mais qu'est-ce que je fous? On va y aller par là. On devrait arriver à destination, je pense. Là, je monte direct. À quoi que je sais pas si là je dois grimper direct en haut. Parce que là, allez, pas du tout. Et en fait, je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est bien par là qu'il faut passer? Parce que là, non. Si je vais là. Peut-être pas par là en fait. Ah, si, 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 si. Si, 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 par là. Ça devrait le faire par là, voyons. Si, c'est bon, c'est ça. Ah, c'est bon. Ah, c'est ça, c'est à côté. Là. Ah, c'est là. Voilà. Ah. Et donc là, en fait, vu qu'on a la Triforce entière, je pense, même si on ne voit rien. Comment ça c'est que je vois rien là? Ah oui, en fait, on le voit que quand on est sur la map. Attends. Voilà. On voit que la Triforce est complétée. Donc, le vieux avant qui ne voulait pas nous laisser passer ici, je pense que il devrait du coup me laisser. Me laisser quoi? Bon. Hold the door. Allez voilà, hold the door, c'est ça. Hold the door! Hold the door! Hold the door! Hold the door! Osdor. Ça c'était quand même excellent. Sans spoiler, autant l'épisode était quand même assez moisi, mais alors la dernière révélation, c'est un truc de ouf, surtout quand tu te dis qu'il avait certainement ça en tête depuis le début. Donc bien joué, parce que personne n'avait pu le voir venir, ça. Et voilà, c'est pas mal, c'est bien pensé et tout, et voilà. Ça, c'est énorme, quoi. Surtout que Odor, c'était quand même devenu ultra connu maintenant sur la toile et tout, quoi. C'est ça le pire. Donc là, quand même, c'était un petit peu un truc de gros ou faux, le coup du Odor. Bon, allez, donc. Voilà, donc c'est ça, on va se laisser là. Je suis désolé, je suis trop crevé. Je suis trop crevé, moi je m'arrête ici. Hein. Donc comment on va faire là? Donc c'est quoi déjà? Non c'est ça, c'est établir le point de récupération. C'est ça? Je sais plus, moi je suis perdu là. Oui c'est ça, voilà. Donc établir le point de récupération. C'est ça au moins? Oui c'est ça, voilà. Donc là on met oui. Et on met OK. Et là, on pense que c'est bon. Hein? 189. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite bonne nuit. Je vous peux plus. Voilà, donc rendez-vous dimanche 18h pour la suite. Et voilà. Hein?
Je crois qu'il est temps de rendre l'antenne. Ah non, non, je n'ai pas spoil, moi j'ai rien dit. Hein. Moi j'ai rien dit. Hein. C'est pas moi. Je suis innocent. Bon allez, on coupe le bon gros bousin là. Rendez-vous dimanche 18h.